On peut s'en vouloir aussi qu'à nous au niveau de ne pas avoir gagné ce match, parce que les situations, on les a eues, les occasions, on en a eu, on n'en a peut-être pas eu suffisamment. Et la domination, on l'a eue. Maintenant, quand on domine, quand on a la chance d'être en supériorité numérique, on doit être capable d'aller marquer. Donc voilà, c'est frustrant de ne pas avoir gagné. Et bon, c'est très décevant de le perdre, ce match, parce qu'encore une fois, on ne peut pas dire que l'adversaire ait eu moult occasions, et ils nous punissent. Voilà, ils réussissent le parfait hold-up ce soir. Donc c'est frustrant, parce que les points qu'on n'a pas réussi à récupérer ce soir, il faudra qu'on aille les chercher face à des grosses cylindrées. Et on est motivé pour ça et on va se replonger dès ce soir pour moi, dès demain pour les joueurs, dans la prochaine rencontre. Les consignes n'ont pas été suffisantes. Les joueurs aussi qui sont rentrés n'ont pas suffisamment apporté comme je le souhaitais. Il y a plusieurs paramètres, je vais me replonger un peu dans l'analyse, mais qui font que ce soir, oui, on est déçu et frustré. Si on regarde en arrière dans le rétro, on se rend compte qu'il y a un mois et demi, on était dernier. Là, on a encore 2 points d'avance sur le barragiste. Donc oui, il nous manque des points, oui, on ira chercher des points et il faudra aller les chercher contre des grosses cylindrées.